L'ancien président angolais José Eduardo dos Santos est décédé vendredi matin à l'âge de 79 ans dans une clinique de Barcelone en Espagne où il était hospitalisé depuis un accident cardiaque le 23 juin, a annoncé le gouvernement angolais décrétant un deuil national de 5 jours. Dans un communiqué officiel adressé à la nation, le gouvernement angolais dit s'incliner avec le plus grand respect et la plus grande considération devant la figure d'un homme d'État de grande dimension historique qui a gouverné pendant de longues années avec clairvoyance et humanisme, les destinées de la nation à des moments difficiles. José Eduardo dos Santos est arrivé au pouvoir en septembre 1979 à la suite du décès du premier président angolais Antonio Agostinho Neto. Il quitte la présidence de la République 38 ans plus tard, en septembre 2017, à l'issue d'une élection ayant consacré la victoire de son parti, le MPLA, et de l'actuel chef de l'État, Joao Lourenço, son ancien ministre loyal de la Défense.